Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo toujours dans la lignée de la précédente, je vois que ça plaît donc je continue un petit peu. Une présentation ici d'un jeu qui s'appelle Watchard, qui n'est pas récent. D'ailleurs la plupart des titres que je vous ai présentés sont un peu vieillots, mais bon, tout ça pour vous montrer encore toute la puissance d'Unity, étant donné que c'est un jeu ici qui est sorti en 2011, essentiellement sur PlayStation Network, la PlayStation 3, et aussi sur une version Windows que j'utilise ici, Linux il me semble aussi. Donc c'est parti, on va tout de suite voir comment ça se présente. Donc on démarre une nouvelle partie. Alors l'inconvénient c'est qu'on ne va pas pouvoir passer les cinématiques, mais elles sont normalement pas très envahissantes. Donc l'histoire c'est Rochard, un chercheur on va dire, qui cherche, enfin il cherche du turbinium, qui est le diesel de l'espace comme il est en train de vous l'expliquer, et donc il en cherche depuis X temps, il n'en trouve pas, et donc bah, s'il n'en trouve pas assez rapidement, bah, son patron va le virer, et donc là ils ont de la chance, ils en ont retrouvé, mais évidemment il y a des soucis, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là, je vous laisse découvrir la cinématique qui est pas terrible, terrible, hein, qui est assez statique dans un premier temps. Après, on a un petit peu de mieux. Mais vraiment, l'intérêt du jeu va être de le gameplay qui va être en fait un 2D linéaire, mais avec des décors plutôt 3D, vous allez voir. L'intérêt c'est d'avoir une arme, un petit peu de jouer avec la gravité au niveau des niveaux en fait, et c'est un jeu qui est assez sympa à ce niveau là pour ses déplacements, et ça va mêler un petit peu. Alors là je vais peut-être pouvoir passer, alors ça ne veut pas. Pourtant ça me le dit, donc on va attendre un petit peu ou je couperai. Mais c'est un jeu qui va être assez sympa parce qu'il va nous permettre de vraiment d'allier la réflexion. En général on va arriver dans une pièce, il faudra désinguer l'ennemi, et ensuite on va pouvoir utiliser un petit peu nos méninges pour trouver comment avancer. She's away from home, just my demons and I alone. This hammer, my key, this mind, my wishing way. I gotta find my way out of hell. Yeah. Voilà, on va maintenant arriver à l'introduction, un petit level qui va nous montrer un petit peu comment déplacer notre personnage et tout ça. Donc on va voir que c'est assez sympa parce qu'il y a pas mal d'humour aussi dans ce jeu, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc rien de bien compliqué, comme je vous l'ai dit, on avance à gauche ou à droite, on saute évidemment. Au niveau des graphismes pour l'époque c'est assez sympa je trouve. Hop, on va monter à l'échelle. Et là... Oups. Livrer le turbo. Alors on va chercher le turbo. On appuie sur E pour utiliser le terminal. Et le turbo il est là. Je clique droit, hop, et je peux faire ce que je veux maintenant avec ma boîte en fait. Et si je clique gauche, je la balance en fait tout simplement. Donc l'idée maintenant c'est de lui filer son turbo. Et on va voir ce qui va être assez sympa. Je pense que le mec à côté va se prendre une tarte. Thanks. You really know what girls like, don't you? Hey, John. Did you get the pulse drive for Switchblade? Sure did. Hey, what about the bet? 300 on Boston. Thank you, sweetie. Oh, thank you, sweetie. Paf. Et voilà. Bon, rien de bien fantastique, mais c'est toujours un peu sympa. Donc, ouais, non. Maintenant, je crois qu'on va passer au suivant. Ils vont se barrer, voilà. Donc c'est pas prise de tête au niveau du monde, c'est des placements linéaires, donc c'est pas compliqué. Ici on me dit que je peux pas passer la caisse tout simplement dans les portes. Donc là je vais avancer, alors évidemment je l'ai déjà fait, hein, donc hop, je dégage la chaîne, la caisse pardon, je descends. Et on a un droïde qui est défaillant et on va devoir... Alors j'appuie sur F pour avoir ma petite lampe, donc sympa, voilà. Et là, il veut pas ouvrir. Donc, il va devoir nous donner l'autorisation.
Override. Skyrig employee number 90210. Rochard, John. Voilà. Mais du coup, il suspend son assurance maladie. Il y a de l'humour. Donc, le voilà. Notre fameux droïde défectueux. Donc, on va devoir... Hey Skyler, we have another faulty drone. Scanner le droïde. Voilà. Dégâts irréparables. Donc on va devoir ici modifier notre arme pour pouvoir justement le détruire. Voilà, gravito chargeur. Donc je vais aller en chercher un par là, je le sais. Si elle veut m'ouvrir la porte, vas-y, ouvre-moi la porte. Voilà. Voilà. Alors rien de bien compliqué, c'est nickel. Là, il va s'énerver sur le terminal. Beat it to fit and paint it to match. John, if the droid splatters its core, we'll be cleaning the motor bay for a week. Donc je chope. Et ici, je vais me servir du terminal pour tout simplement l'écraser. Donc je vais aller le balancer d'abord là-bas si j'y arrive. Oups. Voilà. Et j'appuie sur eux, et maintenant la presse tombe dessus et l'écrase. Voilà, j'ai récupéré mon assurance maladie, c'est sympa. Donc je retourne là-bas. Et je remonte. Maximilian's not gonna like this. Là, je vais devoir me baisser. D'ailleurs, on m'explique comment faire. Voilà. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que j'ai la gravité. Il y a un problème de gravité. Ce qui est sympa par la suite, c'est qu'on va pouvoir gérer la gravité nous-mêmes. Voilà. On peut voir les déplacements du coup qui sont assez sympas. Hop, un gros saut. Et voilà. Donc ici on aura le droit à un petit laïus. On va se faire engueuler parce qu'on trouve pas de turbinium. John, sorry to keep you waiting. The big boss called. Seriously? Unless you turn things around this week. Yes. I'm sorry, John, but my hands are tied. Inform the team. Great. I'll let you know when to start packing. Over and out. Et voilà. Fais tes valises. Donc ici, on repart. Et là, il y a une alerte. Error SR215 detector failure. Et voilà. Il n'y a plus rien qui va. Oh man, automatische kaput again. Kaput again. On va utiliser le terminal, on va monter. I could swear the elevator was offline before. Something's really wrong with this rock. Donc c'est là où ça va vraiment commencer, on va pouvoir jouer avec la gravité et ça devient vachement intéressant. En tout cas, moi je trouve ce jeu assez sympa. Donc c'est parti. Donc pour le moment j'ai toujours la même, le même déplacement. D'ailleurs il va nous dire ici qu'il y a un vieux générateur de gravité. Voilà, donc je vais devoir ici activer la porte. D'ailleurs j'ai un petit zoom qui me le dit. Hop. Alors faut que j'arrive à la choper par contre. Voilà. Et là le problème c'est d'utiliser cette caisse pour arriver à sauter dessus. Donc c'est là où on peut voir qu'il y a un petit peu de... Enfin il faut réfléchir un peu. Voilà, on saute dessus et ici on va pouvoir activer maintenant la gravité faible. Ce qui fait que maintenant quand j'appuie sur Shift, on peut voir que ça tourne moins vite, ça devient un petit peu bleu. Et si je saute, on peut voir que je suis beaucoup plus... j'ai pas la même gravité, alors elle est beaucoup plus faible. Donc ce qui est assez intéressant pour pouvoir se déplacer. Donc voilà comment ça va fonctionner. Alors maintenant c'est encore une fois un casse-tête, il faut réussir à passer là-bas de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va redescendre. Choup là. On va choper l'échelle ici en baissant la gravité.
Voilà, hop. Et ici, j'ai plus qu'à sauter là-haut. Et normalement... Alors, j'avance en même temps, par contre. Hop. Et j'ai pas réussi. Ah bah voilà. Donc je suis encore une fois tombé. Donc je recommence. Et je vais aller sur les caisses, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Hop, j'enclenche la faible gravité. Et là, pas de souci, j'y arrive normalement. Et non, la porte est fermée. Voilà, donc je peux rien faire. Donc il faut trouver la sortie, bah, vous l'aurez deviné. Donc ça s'appelle Rothschild, c'est sympa. Ah bah voilà, maintenant la porte va être ouverte. Oh, oh. Bon, vous voyez que je suis pas doué. Hein. Alors je réessaye une dernière fois quand même pour vous montrer. Hop. Et ici maintenant, je devrais pouvoir accéder à cette porte. Et ici, j'ai une échelle. Alors la caisse, je vais pas la toucher parce qu'en général, elle sert à quelque chose et on s'en rend pas compte tout de suite. Voilà. Hop là. Donc ici, je suis déjà venu. Alors, comment je fais ? Eh mince, alors je suis pas venu. Et voilà, j'aurais besoin à mon avis de la caisse pour passer. Moins que je passe dedans, non. Bon, vous l'aurez compris, le jeu s'appelle Rothschild. C'est vraiment sympa. C'est un jeu qui date un peu, mais qui vit, je trouve, assez bien. Voilà, c'est pour ceux qui veulent le tester, allez-y, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Moi, je tenais à vous présenter encore un jeu qui a été fait avec Unity. On peut voir l'univers, le gameplay qui est assez sympa. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!